tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire ma présentation de mon deck. Oh, bon, alors. La première carte, pour commencer, c'est les énergies. Les énergies, c'est les, comme on peut dire, les choses pour que notre Pokémon attaque. Ça, il y a ma carte Switch. Switch, ça fait que je peux changer un de mes Pokémon banc et actif ensemble. Puis après ça, je la mets dans ma pile de défense. Après ça, je prends Feebas. Parce que Feebas, je le trouve drôle. Puis son évolution est forte. Il y a aussi Acrobike. Ça fait que je peux chercher deux cartes dans mon deck, puis j'en mets une dans ma main, l'autre je la mets dans ma discard pile. Là j'ai Melodic en holographique, c'est l'évolution de Feebas. Et en haut on voit le petit signe de Feebas. Puis on met comme ça. Ça, j'ai Silver Bagel qui il fait que ça fait 30 dommages de plus au Pokémon EX. Puis ça inclut les résistances puis les weakness. Ça, j'ai Silo parce que je la trouve belle, puis elle est quand même forte. Là. Elle fait 50. C'est fort. Après ça, pour avoir Silo, il faut avoir son basique. C'est fort. Là, ça m'a ça. Très beau. Les énergies. Ah! Le foulard magique, on peut dire. Ça guérit 20 dommages à un de tes Pokémon à chaque tour. Ça, c'est un Pokémon tout. Pokémon tout, il fait que on peut le mettre à un Pokémon, puis le Pokémon, il y a ça pendant le match. Ça, c'est on cherche deux énergies dans notre deck. Ça, c'est professeur lettre. La lettre du professeur. J'ai Kyogre. Qui est quand même fort. Fait 80. Puis, c'est bon. D'autres énergies. J'ai Noirbat. En fait, qui, lui, il attaque pas de gros, mais j'avais plus de cartes là, que je l'ai pris. Mais pas pire. Je l'ai déjà montré. J'ai Marsh Stomp, qui est quand même beau. Je l'aime, parce que sa basique est forte, puis c'est bon, vous allez voir. Mogdip. C'est celui d'avant. Il est quand même pas fort, mais il sert à évoluer en Marsh Stomp. J'aime ça. Ça, j'ai Mincino. Que lui, ça m'aide, disons, si j'ai une évolue que je veux. Si j'ai des Pokémon EX que je veux dans mon deck, ben je peux prendre Mincino et faire l'appel de la famille. Parce qu'il faut que je cherche deux trucs dans mon deck. Là, j'ai le protection cube. Qui est, si disons, il y a un Pokémon qui dit vous faites 20 à l'ennemi, mais vous faites 10 dommages. Ben, ça c'est un tool qui fait que on se fait pas, disons, 10 dommages. Okay, c'est fort.
le niveau soda, qu'on peut chercher une carte de évolution d'un de nos Pokémon de banc, puis après ça, faut, c'est ça. Énergie, c'est bon. Après ça, j'ai Roussi. Puis Roussi, c'est un stade. Puis ce que les stades font, ils ont une particularité pour les deux pets, toutes les deux joueurs. Comme là, c'est chaque tour, les players qui ont des types de Pokémon eau et électrique là-bas, peut guérir 30 dommages. C'est quand même fort. Moi, je l'aime. Après ça, j'ai Barboach. Que lui, ben, son évolution est pas pire. Je l'aime, son évolution. Après ça, il est. Seedra. Seedra, ben, il fait fort, là. 30, là, pas pire. J'ai la super potion. La super potion, ce qu'elle fait, elle guérit 60 dommages sur un de mes Pokémon, mais il faut que je discarte une énergie attachée à ce Pokémon-là. Ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Autre énergie. Ah, j'ai Whiscas en très antique. Les antiques, eux, ce qu'ils font, c'est que ils ont une genre de habileté en haut. Comme lui, je peux y donner deux énergies en même temps. Fait qu'après deux tours, je peux faire son attaque de 120. Il est fort. Il est semi-full art. Ça, j'ai les bouteilles d'eau. Il guérit 20 dommages à un de mes Pokémon. C'est fou, quand même fort. RC, que lui, tantôt on a vu Seedra, puis il y a quand même des énergies. Ah, j'ai Milotic en autre forme. Milotic en autre forme, il y a une autre habileté, une autre attaque. Puis bon, il est beau, il est multicolore comme un beau. J'ai un autre RC. Ah, j'ai Lapras. Lapras, c'est un Pokémon qui a 100 vies, puis il est fort. Mais il prend beaucoup d'énergie pour attaquer. C'est ça. Ça, j'ai Walren, que lui, il est fort. Lui, là, on peut pas le battre. Là, il a 150, puis il fait 70 plus. Donc, c'est quand même fort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye, à la prochaine.